Bonjour, alors aujourd'hui, petite vidéo sur la fabrication de portes à la défense de sous-table. Pour ça, je vais utiliser une boîte de fraises avec deux fraises à profil contre profil et une fraise à plate-bande. Avant de démarrer la vidéo, je voudrais vous présenter une chaîne, c'est la chaîne de Johan Supa, Travail de bois. Vous pouvez aller y faire un tour, il a des vidéos bien sympathiques, bien montées. Bon, nouvel retour sur la vidéo. Comme je le disais, c'est un coffret de fraises que j'ai acheté sur Amazon à 35 euros. C'est des queues en 12-7, donc c'est des grosses fraises. Je commence déjà par débiter deux montants et deux traverses dans des chutes de pin de GSB. Pour commencer, je monte la fraise à contre-profil, donc je vais usiner les tenons en premier. Le réglage pour ces fraises est très simple, ça se fait au roulement. Donc on peut pas se tromper. En fait, pas besoin de calculer le ravancement, il y a juste la hauteur de fraise à régler en fonction de l'épaisseur du bois. C'est parti pour l'usinage des contre-profils. Bon voilà, une fois tous les contre-profils usinés, je vais changer de fraise pour pouvoir passer les profils sur les traverses et les montants.
Une fois cuisiné, je fais un petit assemblage du cadre à blanc. Et ça s'emboîte parfaitement. Et là, on peut voir quand même que pour des fraises à 35 € l'usinage est quand même propre. C'est plus que correct. Ensuite, je mets la porte sous presse pour faire mon relevé de côte pour mon panneau, en déduisant 1 mm par champ que les panneaux puissent jouer dans le cadre. Maintenant, c'est le montage de la fraise à plate-bande, le diamètre 80 mm. Donc, c'est une grosse fraise, il faut faire attention. Il faut bien usiner la plate-bande en plusieurs faces. Bon, il est temps de monter le panneau dans la porte. Bon, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Tous les liens sont dans la description pour les fraises, la chaîne de Yohan. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.